de démarrer la pépinière, absolument pas avec un projet concret, avec un collectif concret. J'avais vraiment tout à écrire et j'ai arrivé avec une page blanche totale, quoi. J'ai voulu participer à la pépinière parce que j'avais un projet de création de lieu avec 5 autres amis et une envie de, à la fois de m'outiller sur l'ensemble des sujets qui sont nécessaires pour créer un lieu. C'était un projet en famille, d'ouvrir un écolieu dans le Pays Basque. J'ai été envoyée en émissaire pour me former, pour transmettre. Et je me suis dit, mais c'est génial en fait d'aller à la pépinière des Oasis tout en ayant déjà plus ou moins un collectif. L'idée, c'est que ça permet de nous structurer beaucoup plus de concret dans la réalisation de ce projet. J'avais aussi besoin et envie de trouver des personnes sur lesquelles m'appuyer, donc avoir des compétences techniques et en même temps rencontrer des personnes qui sont aussi en cheminement. La pépinière m'a apporté un nombre incalculable de choses, à commencer par les liens que je recherchais. Il y avait le désir d'avoir des gens qui ont des objectifs communs et du coup de créer un réseau, de créer aussi potentiellement un collectif pour faire un projet commun. Et grâce à la formation, de voir un petit peu de plus en plus clair au fur et à mesure, mais surtout en échangeant où est-ce qu'on en était les unes les autres, voilà, de se voir avancer ensemble et de faire groupe dans ça, c'était quelque chose. Cette formation, elle s'est vraiment très bien passée dans le sens où il y a un vrai mix à la fois de théorie, de moments qu'on passe donc en ligne. On a vraiment la bonne dose de connaissances. J'ai vécu aussi des séjours en immersion. Je pense que pour moi, ça a été le temps les plus importants. C'est les plus marquants parce que ça m'a permis vraiment de découvrir des projets complètement différents, des gens complètement différents, des modèles de projets différents. Et dans des lieux aussi, ça m'a permis d'expérimenter ce que c'était vraiment concrètement et comprendre comment ça fonctionne. La pépinière m'a fait réaliser à quel point c'était très engageant au niveau émotionnel, au niveau personnel, de construire un collectif. À l'issue de la pépinière, j'ai fait une déclaration d'amour à l'un des écolieux. J'y participe maintenant puisque j'ai rejoint. Le projet pour lequel je suis venue dans la pépinière, c'est pas réalisé, mais j'ai eu aucun regret. Parce que voilà, ça me fait aussi développer ce réseau dans lequel moi je m'épanouis. Ce parcours de pépinière, c'est une première marche. Après, ne pas s'arrêter à ça et continuer à découvrir ces milliers maintenant d'écolieux qui existent.